Ma réaction devant cet attentat a été la réaction, je crois, commune, une sorte d'angoisse. Il est vrai qu'on craint toujours pour sa propre vie ou celle de ses proches. J'étais à 150 mètres, à vol d'oiseau, hein, dans ma résidence, donc des lieux où se sont déroulés ces, ces, ces attentats, la rue des Orfèvres que je connais par cœur, euh, des grandes arcades, du Temple Neuf. Et donc euh, ma réaction, ça a été celle de se dire mais qu'est-ce qui se passe De suivre l'actualité, de rester enfermé. De contrainte ceux qui étaient avec moi à rester et à rester dormir ici, tel que les, la mairie et la police nous, nous, nous l'a demandé. Et puis c'est une réaction immédiate ensuite de, de, de relire ce que j'étais en train de vivre avec ces événements de 2015 que j'avais vécu aussi en direct. On s'en souvient, Charlie Hebdo, le Bataclan, qui nous avait traumatisés profondément, au bien au-delà de Paris. Et donc c'est des réactions de, de, de soutien, de partage, au fond tout simplement, d'une même angoisse et d'une même compassion pour toutes les victimes. Dans la douleur, eh bien ce sera d'abord ceux qui sont touchés physiquement, hein, ceux qui sont décédés, ceux qui sont victimes de blessures graves, hein, avec encore des, des urgences absolues grâce entre autres à nos aumôniers d'hôpitaux, hein, c'est eux qui sont mais, les mains, si j'ose dire, de Jésus de, euh, dans les hôpitaux, essayer d'accompagner tous ceux, en fait, et ils vont être innombrables, qui ont été euh, traumatisés, euh, j'imagine ces petites rues euh, bondées de monde, avec des gens qui hurlent, qui courent dans tous les sens, qui entendent euh, des coups de feu, qu'est-ce qui se passe Et donc, même s'ils n'ont rien vu, ils ont pris vraiment dans leur corps et dans leur cœur et dans leur psychisme euh, le choc, un tsunami d'angoisse. Voilà. C'est tous ces gens-là qu'il faudra accompagner et puis au-delà il ben, y, y a tous ces Alsaciens, il y a tous ces touristes, hein, plus près de 2 millions qui se précipitent pour le marché de Noël à Strasbourg qui vont avoir peur, euh, qui vont se dire est-ce que j'y vais, j'y vais pas et, et on ne s'assoit pas de la même façon à une terrasse de café euh, après l'attentat qu'avant. Alors comment les accompagner Et puis en tout cas on va déjà leur dire qu'on est avec eux que la dimension transcendance est une force de résilience pour essayer de passer les peurs, qu'une des façons de déjouer la peur, c'est de ne jamais être seul, toujours à plusieurs, c'est toujours plus simple de pouvoir échanger, et puis aussi, bien sûr, de, de prier. Alors, de, sur ce thème, nous avons deux initiatives très concrètes, aujourd'hui même, hein, ce, ce mercredi 12 décembre. Nous faisons sonner le grand glas de toutes les églises de Strasbourg hein, pour dire combien nous sommes en union profonde. Et puis, dès demain soir, nous préparons des célébrations à caractère œcuménique pour vraiment que toutes les forces de prière, pour les victimes, pour les forces policières qui ont été admirables et aussi pour le monde, et bien, soient unies devant Dieu qui est la seule source de paix. Demain, jeudi, jeudi soir à 18h, je serai là, je présiderai, j'invite personnellement toutes les autorités religieuses à venir, et bien sûr tous les hommes de bonne volonté à venir, parce qu'on va donner une dimension chrétienne, bien sûr, car il nous est. Très compliqué aujourd'hui de prier avec les juifs et avec nos frères musulmans, mais ils peuvent prier en tout cas dans leur cœur, en union avec nous, parce qu'au fond, nous pensons bien que quelque chose s'est perverti dans le cœur de l'homme pour nous donner aujourd'hui d'assister à des scènes d'une pareille violence.